Hop là. Bonjour à tous, il est 58, donc je vais attendre un petit peu, deux petites minutes pour commencer vraiment à l'heure. Voilà, à tout de suite. Alors, il est toujours 58, on va patienter un petit peu. Je ne sais pas s'il y a du monde, comme je ne vois pas d'ici. Écoutez, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que votre dimanche se passe bien, que vous appréciez votre confinement, et que vous savez, que vous sachiez en tout cas le détourner pour en faire quelque chose, à défaut d'être agréable, d'être au moins supportable. Voilà. Alors là, en gros, ce que je compte faire là, je vais jouer 5 ou 6 morceaux à peu près, je pense. Deux morceaux en acoustique, c'est-à-dire juste la guitare et la voix, et ensuite certainement quelques morceaux un peu plus, que je vais essayer de faire un peu plus élaborés avec le loop qui est derrière. Bonjour à ceux qui se joignent, je suis un petit peu en avance, mais bon, on va attendre un tout petit peu. Donc voilà, j'espère que là il va bien se passer, c'est un petit peu fait à l'arrache, hein, je l'avoue, c'est un petit peu, c'est pas improvisé mais pas loin, donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien quand même pour que vous passiez du bon temps dessus, donc en gros quelques morceaux qui vont être faits à la guitare et à la voix uniquement, donc 100% acoustique, je vais commencer par ces deux morceaux là et ensuite comme je disais, ensuite j'enchaînerai sur 3 ou 4 morceaux qui seront faits avec les loops derrière et un petit peu la guitare électrique. Voilà, voilà. Il est 16h, donc moi je vais considérer que c'est le moment de commencer, vu que j'avais dit que je commencerais à 16h. Donc bonjour à vous. Donc je souhaite que vous passiez un bon dimanche, comme je l'ai déjà dit. Bonjour Karine. Et j'espère que ce petit live va vous plaire ou te plaire si personne ne se joint d'autre que toi. Voilà. Alors. Pour le premier titre que je vais vous chanter là, ça va être le dernier que j'ai sorti en fait, qui s'appelle Célibat profond. Alors Célibat profond, c'est une chanson dont les paroles ont été écrites par Karine Avani, qui était la personne avec laquelle j'ai également j'ai participé à l'écriture de son recueil qui s'appelle De mots en mots, qui est un recueil de poésie que je vous encourage fortement à acquérir. Il est en vente sur toutes les plateformes numériques et également en librairie. Si ça vous intéresse d'avoir la version en papier, vous me dites et je ferai que je passerai la commande à Karine directement. Voilà, donc merci d'être là. Donc voici le premier titre qui s'appelle donc Célibat profond. Et tes grands yeux.
tous ces espoirs déchus, de s'être tant cherché entre ces quatre murs où on s'était lové. Célibat profond, you know. Se répète en boucle dans ma tête. Oh, 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 oh. Célibat profond, you know what I mean. Célibat profond, you know what I mean. You know what I mean. You know what I mean. Oh, oh, oh. C'était le premier titre, donc Célibat profond, qui est le dernier écrit. Donc. Et bah, je vous propose qu'on enchaîne sur le suivant, hein, qui est également un titre acoustique. Donc ça s'appellera Juste. Juste des mots qui pleurent, vidés de leur saveur. Capable de vous mordre, juste des mots qui crient comme un appel à l'aide, hurlant leur agonie de vivre vie si laide. Juste des mots vidés, sans énergie ni force, des émotions souillées qui brisent nos écorces. Des mots vidés, sans énergie ni force, des émotions souillées qui brisent nos écorces. Juste des mots salés qui tombent sur le sol, tel des corps meurtris qui doucement s'isolent. Juste des mots sans son, comme un cri de silence, une triste chanson, une non-existence. Oh, oh, oh. Juste des mots qui pleurent, vides de leur saveur, alignés en désordre, capables de vous mordre. Oh, 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 oh. Juste des mots qui crient comme un appel à l'aide, oh, hurlant leur agonie de vivre vie si laide. Oh, oh, oh. Voilà, c'était donc le deuxième titre acoustique. C'est assez original de faire des chansons comme ça en acoustique, alors que normalement je les fais plutôt un peu plus élaborées, mais c'est sympathique d'essayer en tout cas. Donc si vous n'êtes pas encore parti, ben, je vous propose de continuer avec un petit truc un peu plus, avec des sets un peu plus élaborés peut-être, qui vont se faire avec la guitare électrique. Voilà, j'espère que tout fonctionne. 1, 2, ok, ça a l'air. Hop là. Je vérifie que tout fonctionne avant, hein. Ok, ça a l'air bon. Ça marche, ok. Et ben on va
essayer tout de suite par une petite chanson qui a été une des premières que j'ai enregistrées en studio, qui s'appelle Little Dancing Girl. Alors j'espère que je vais la réussir parce qu'elle n'est pas évidente à faire en live. Donc c'est parti. Dancing girl,
c'était Little Dancing Girl en version live avec les loops et compagnie. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas comment rend le son, j'espère que ça ne rend pas trop mauvais. C'est ma seule inquiétude en fait. Bon. On va passer maintenant au morceau suivant qui est un petit rock que j'avais écrit il n'y a pas si longtemps que ça, qui traite un sujet de société puisque ça va traiter du burn-out. Alors le temps d'effacer les pistes pour recommencer from scratch. Voilà, hop. Ok, ben on va essayer la même chose. Donc c'est toujours le même principe pour chacune des chansons que je fais avec la guitare électrique, c'est que je fais loop par loop. Donc la mise en place est un petit peu longue, mais ça vous permet de voir comment on construit une chanson quand on est tout seul. Voilà. Burn out. Oh, burn out.
passer à la chanson suivante. Donc là, j'ai fait deux chansons à moi, en fait, puisque j'ai fait Little Dancing Girl et Burnout. Et ça fait déjà 20 minutes que j'ai commencé, donc ça va, je vais faire à peu près une demi-heure, je pense. Désolé pour vos oreilles, une demi-heure à tenir, voilà. Donc les deux autres, ça ne va pas être des chansons à moi. Je vais, donc il faut que je nettoie les pistes. Je vais essayer de faire des reprises un petit peu personnalisées de chansons existantes. On va voir ce que ça donne. Ok. Il y en a une qui n'est pas effacée. Alors cette chanson-là, c'est une chanson de Chris Isaac qui s'appelle Wicked Games. Donc je vais essayer de vous la jouer à ma façon à moi. Enfin, j'espère qu'elle est assez ressemblante de la vraie, mais je ne garde pas les vrais solos, je change un peu la guitare parce que j'aime mettre ma marque dans une chanson que je joue. Je n'aime pas rejouer fidèlement une chanson, je trouve que c'est pas très récent, c'est pas très intéressant artistiquement parlant. Donc Chris Isaac. What a wicked things to do to let me dream of you.
Everything seems to do to make me dream of you. I don't want to fall in love. I don't want to fall in love with you. Version de Chris Isaac, un peu perso, j'avoue, un petit peu changé, mais voilà. J'aime beaucoup cette chanson, je la trouve très jolie. Alors, juste pour info, j'ai oublié la basse dans ce morceau, je m'en suis rendu compte à la fin, donc je ne l'ai pas rajouté, mais normalement, il y a une basse en plus. Voilà. C'est les aléas du direct, comme dirait l'autre. Donc, merci, je vois que vous aviez quelques mondes, c'est sympa. C'est sympa, qu'il y a un petit peu de gens qui regardent. Donc, je vais faire une dernière chanson. Pareil, la mise en place risque d'être un petit peu longue. C'est une chanson de Snow Patrol, ça s'appelle Chasing Cars, qui avait été repris aussi par Ed Sheeran d'ailleurs. Je vais essayer d'en faire une petite version un petit peu perso. J'ai l'impression que le son n'est pas top quand même, mais bon, malheureusement, là, je ne le maîtrise pas. Donc on va supprimer tout ça. On efface les pistes et on recommence l'enregistrement. Donc, voilà, il n'y a plus rien. Alors, donc, mise en place un peu longue parce que c'est vraiment, il y a pas mal de couches. Donc, attention, c'est parti. Couche est faite.
Ça sera donc mon petit live du jour, j'espère que vous aurez aimé. Donc 4 compos, 2 en acoustique, 2 avec les loops et plus 2 reprises. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire des gros likes, des gros pouces bleus, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup et surtout le principal, n'oubliez pas,
Restez chez vous.